Chapitre 4, fuite urbaine. Attends, il y a des points de vie là. Attends, je récupère des trucs parce que les autres poulets là ils m'ont fait. Oh, regardez-moi tout ça si c'est pas beau. Oh, je prends tout. Voilà, c'est quand même mieux. Vous avez une idée pour ouvrir ça? Je sais pas, on passe un coup de fil. Bonjour! Excusez-moi! Vous savez comment on ouvre les portes? Ouais, j'en ai rien à foutre, le téléphone il est cassé. Encore merci pour ces bits, Darky. En fait, Drifty, ça, c'est la... ça dépend de la manière dont la personne écrit le message pour donner les bits, c'est tout. Oui, alors. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Bah oui, je le sais, je le cherche, ma chère Alix. C'est pas comme ça déjà. Verise le mécanisme de porte. D'avoir un peu d'observation. Pas quelque chose, un truc, une chouette, bidule, une chose. Et ben on va chercher. Moi je te dis, pendant ce temps-là, la manivelle je l'ai tournée. Ah bah attends. Non. Je peux pas prendre la manivelle. J'ai une valise si tu veux. Non, tu veux pas la valise? Quand est-ce qu'on fera... Alors déjà, t'excuse pas pour la question, t'as tout à fait le droit de la poser. Et le prochain jeu Zelda, ce sera quand on aura fini God of War 3, début de l'été probablement. Voilà. Et d'ailleurs, niveau live, peut-être début mai, alors ça reste encore à confirmer pour la date exacte, on pourra lancer le randomizer Majora's Mask. J'arrive plus ou moins à le faire fonctionner, donc autant faire un test. Enfin de la... Quoi qu'il en soit, oh mon Dieu. Plus d'espoir maintenant. Les Striders ont vraiment tout détruit ici. Nous avons développé plusieurs avancées technologiques et nous tenterons tout pour les déployer à fouaf. Jamais été aussi heureuse de voir le Dr. Kleiner. Pourtant le mec, on sait qu'il a le don de rassurer les gens. Bon. Alors. Ouais, ta gueule, Macron. Et là, il y avait une vanne, c'est ça. C'est littéralement une vanne. Et pour faire un jeu de mots avec les développeurs, tu peux appeler ça une Valve carrément. Bah ouais, parce que c'est des jeux qui sont faits par Valve en fait. Voilà, humour sur 20 quoi. Ouais, Randomizer Majora's Mask. Alors je sais pas s'il ira au bout, parce qu'on a quand même une la version du randomizer que j'ai, c'est une des premières, donc c'est pas le truc le plus optimisé du monde, mais au moins on peut faire un test. Après Charo, si t'arrives pas avec ton fichier, ce que tu peux faire, c'est tu le mets sur un hébergeur de fichiers, genre si t'as un compte Dropbox par exemple, ou tu le mets sur genre Mediafire ou autre chose, et tu me mets le lien de téléchargement, j'irai le chercher. Voilà, couché. Ouais, on dirait que c'est nous. Et okay. Ouais, c'est l'anarchie. Ah, il y avait le symbole des anarchistes. Ça vient de toi. Ah, vous voyez que ça a l'air d'être un peu la mer noire. Ah, voilà. Maintenant, on va rigoler. Oui, remarque, c'est vrai que c'était sur Discord. Tu peux me l'envoyer directement sur Discord, hein. D'ailleurs, si quelqu'un peut mettre la... Si jamais t'es pas sur Discord, est-ce que quelqu'un peut mettre la commande pour qu'il puisse venir? Ça, on s'occupera de lui. Voilà. Excellent rappel, merci Drifty. Ok. Ah bah c'est marrant, ça s'ouvre sur notre passage, dis-nous. Bah elle est par là. Bah, je sais pas. Non, j'allais dire, on peut passer. Ok, hé hey. Tu jures? Merci.
Attends, est-ce qu'il y a un terrier? Oui, il y a un terrier de fou, les lions. On va le boucher. On va bloquer le terrier. Est-ce que ça... Je suis pas sûr que ça suffit. On va laisser. Et on va avoir un autre plus loin. Ah, ben on a un juste là. Donc. Non, tu me bloques ça, merci. Ouais, c'est ça, ta gueule, monsieur. Allez. Hop. Et ça m'a l'air bon. Va t'acheter un truc à boire au moins, tu seras pas à sec, shop de bière. Oui, c'est pas faux. Bon, moi personnellement, c'est plus de l'eau, mais shop de bière, pourquoi pas. En tout cas, pas en live. Madame le médecin qui nous suit, ou pas? Vous avez vu madame le médecin ou pas? Eh viens. S'il reste des gens dans la ville, on va essayer de... Ah bah vas-y, viens avec nous. Allez, vas-y, fais pas ta pute. Bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai... C'est le bien, comme part. Je crois que c'est là que tu peux aller. Vérifie quand même. J'allais dire, c'est des mines, ça. Voilà. Reculez. On fait tout péter. Voilà, subtilité sur 20. Je vous couvre pendant que vous vous occupez de ça. Va te boire la bière. La shop, ça doit faire mal au bit, celui-là, moi, quand même. Hop. Voilà, on la déclenche comme ça, la mine. C'est envoyé. Ok, super. Bah, je regarderai ça après le live. Attends, y'a pas un délire de physique là? Au pire, attends, je vais tenter un truc. Je vais tenter quelque chose. YOLO! Ah bah, je vais tenter, hein. Oh, le bidon qui est là, attends. J'ai besoin de God of War, comme ça tu pourras dire Kratos Dadidou en action. bah écoute, ça peut se faire, oui, bien sûr. Ça peut se faire, bien sûr. Bon, évidemment, j'ai un petit peu d'avance parce que je suis un peu obligé d'en prendre à cause des lives quotidiens, mais ça peut se faire, bien évidemment. Et là, madame... Ah, en fait, tu me laisses me démerder tout seul. Hein. Tiens, comme tu préfères l'eau, eh bien, en voici. Bah, merci. Et merci pour les bits, du coup. Attends. Donc là, je pense qu'on va les décaler de l'autre côté. Non, mais... Poser délicatement. Il est en vidéo demain en live. Écoute, on... Alors dans ce cas, plutôt demain en live. Parce que si c'est en vidéo, va falloir que t'attendes quelques jours. Mais dans ce cas, faut que tu viennes sur la live de demain si tu veux m'entendre le lire. Non, dude. Ah mais attends, non, je suis con. Faut créer le contre quoi? Ici plutôt que là-bas. Théoriquement, faut... T'as remarqué que tu me diras, ça sert pas à des masses de choses. Bah non, en vidéo, c'est pas compliqué, c'est juste que bah quand j'ai un moment au début du truc, voilà quoi. Ça se négocie, mais c'est vrai qu'en live, ça passe peut-être mieux. Bon. Nope. Voilà, nope. Genre un numéro en 800 qui m'appelle. Non mais tu crois vraiment que je vais décrocher un numéro en 800? Dude. Prends vraiment pour un balai, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah oui, d'accord. C'est le truc de tout à l'heure. Voilà, on dégage les notifs. Et on reprend le cours normal de ce live. Venez, on monte. Ah bah oui, hein, je me suis pas fait chier à dégager les flammes pour rester en bas. Hein, réfléchis un peu. Oh, pas mal. Ah, la mineure. Vas-y, fais-toi plaisir. Elle, la mineure. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est bien, genre de truc pour les. Pour le. Si vous voulez faire le succès du jeu, finir le jeu avec une balle. Il est dès que je marque un com demain dans la... Ok, ça marche. Quel pays, numéro 800? Non, mais c'est les 0800, les numéros surtaxés.
Virtual Xbox One, numéro sur... Enfin non, techniquement les numéros 0800 ils sont gratuits, mais tu sais, c'est les numéros verts, les trucs qui... En gros, c'est je décroche, c'est bonjour monsieur Baboulinet, je voudrais vous vendre ceci, achète, achète, consomme. Franchement c'est ça, hein. C'est un sniper quand même, j'aurais pas dire. Aïe. Ouais, ça roule, je te dirais ça. Enfin, oui, voilà, enfin, c'est les démarcheurs, quoi. Bon, de toute façon, bah, c'est pas compliqué, j'ai une règle d'or. Si je connais pas le numéro, je décroche pas. C'est aussi simple que ça. Surtout si c'est des numéros qui viennent de l'autre bout de la France, c'est genre les numéros 01 ou les trucs comme ça. T'es un vendeur de tapis volants. Après les voitures volantes, les tapis volants. Mais non, regarde, j'envoie le lamineur. Et regarde. YOLO! Hey yo Brian, comment ça va? Bah ça se passe et toi? Prendre les couvertures. Oui, nope. Ah ah, tu fais moi ta marionnette là, mon petit mammouth. A plus Charo, merci d'être venu. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Oh yeah, attends. On va wiggler. Non. Mauvaise langue. La pelle-y la gueule. Comment se trouve un bullet sniper quand même. Voilà, on va le faire exploser. Ah c'est bon, tu peux venir madame. Hein. Ah, pas des points de vie des fois. Même des points de combi, c'est bien les points de combi. J'aime les points de combi. Joli lancé, Gordon. Ce sniper a failli me décapiter. Oui, mais je veux faire descendre l'échelle là. Ok, Je vais grimper et voir un peu ce qui nous attend. Ouais, vas-y, fais de la grimpette. Là, Brian, on est au chapitre 4. On est dans la deuxième moitié du jeu. C'est un jeu relativement court. Ah bah du coup, ravi que ça t'ait plu, Charo. Du coup, je te dis à plus tard et je te tiendrai pour le, je te tiendrai au courant pour l'histoire. Vous ouvrez le chemin, ok? Pas de prob, Bob. Jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre bout. Dès que la voie est libre, je vous rattrape. Ok, je peux vous descendre cette échelle. Je vais tirer sur le loquet. Fais-toi plaise. J'ai peut-être perdu la main avec ce fusil. Ah non, finalement ça va. Peut-être. Ok, on va se marrer. Bonjour. Oh punaise, y'a du peuple. Tu fais mal, hein. Voilà, moi je laisse faire. Je laisse les autres faire le sale boulot à ma place. Comment ça, je suis un enfoiré? Ouais! Des points de combi, les pimpons! Pas quelque chose par ici? Nope! Je crois que les cyclopes ils sont. Oh, du cyclope! Oh, oh là là! Ah, c'est mignon comme van, c'est mignon je trouve. Un petit jeu de mots totalement innocent. Non! Saloperie! Voilà, c'est ça, prends-toi un coup de fusil sniper dans la gueule, tu l'as cherché celui-là. Oh, rien par ici. Neurotoxine détectée. Mais non, c'est bon, il n'y a plus de neurotoxine. Excellent. Il n'y a plus des neurotoxines. Et regardez, j'ai fait un carton. Ok. J'ai même pas besoin de tirer. Elle est au taquet, Alix. Elle est au taquet. Tiens, yeah, cadeau. Pauvre araignée. Ouais, elle l'a cherché, hein, c'est un cul de. Ah là, on est pas mal. D'ailleurs, je savais même pas pourquoi je gardais la lampe torche, mais tout va bien. Hop, hop. Ah là, là, on est pas mal. J'irais même pas mal là.
Voilà, je donne les munitions. Et t'as vu, je suis passé de l'autre côté. Oh. Et qui est là? Bonjour Monsieur Cartel. Ah bah au revoir Monsieur Cartel. Dites ceux qui tiennent les comptes dans le chat, on est à combien de morts? J'ai tendance à dire on doit être pas loin des 10 là, non? Quelque chose comme ça. Attends, on va essayer un truc. Mode gros bâtard. Ah, on a droit aux 5 bits pour la mort. Bonjour monsieur. La gare c'est par où s'il vous plaît? Parce que là on a vraiment besoin d'y aller, contrairement au même dans l'espèce d'origine. Ok. Il y a des fourmilions, c'est qu'il y a un terrier. Faut qu'on aille le bloquer. Bah voilà, comme ça c'est bien. Je rêve ou Alix m'a tiré dessus. 8 morts. Oh, c'est réaliste comme estimation. Ah mais... Crevez tous, la gueule ouverte. T'as vu ça sur ma dernière balle de shotgun, dude? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Faire des choses intéressantes. Ah, ben... Ouais, attends 12 secondes. Hein. Genre, il y a encore intérêt de fourmilion quelque part? What the fuck? Aïe. Chez. Ah oui, non, mais elles arrivent de l'autre côté, c'est pour ça. D'abord, vas-y, ferme. Non, tu rentres pas. Alix, c'est la madame qui est juste là. Vas-y, fais ton boulot. Les trucs là, c'est pas mon domaine, hein, c'est toi. Enfin fini. Fais les comptes, 7 morts. Ok, donc c'était la 7ème mort. C'est fini. Non, par contre, c'est un peu le bordel là-haut. Bon, heureusement, on a gagné du temps. Non, je trouve rien d'intéressant là-dedans. Ah, à la banane. Nous n'avons vraiment pas le temps. Ok, on entre. Allez. Ouais, les messages ont tous sauté, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a Nightbot qui a dû te bannir 5 secondes parce que t'as dû poster genre des liens ou trop d'emojis. Et c'est pour ça que ça a sauté. Au pire, attends, si tu me laisses 2 secondes, je vais regarder les logs de Nightbot, je te dis exactement ce qui s'est passé. Alors, apparemment, t'as mis trop d'émotions. Pour la toute de Sauron. C'est ça, là, c'est ça. Et ben du coup, merci pour ces leaks. En gros, Drifty, t'as mis trop d'émotions par rapport à ce qui était configuré pour Nightbot, et du coup, t'as pris 5 secondes de timeout. Et quand tu timeout, y'a les messages qui sautent. Genre, j'ai mis un coup de shotgun en pleine tête. Oui, mais tu les as mis plusieurs fois. Alors du coup, je crois que je revois les règles pour les émotions. C'est vrai que c'est un peu strict. J'essaierai d'ajuster ça pour demain. C'est vrai, genre tu l'as mis 3 fois chacun, c'est pas énorme quoi. Et attends, tu crois quoi, chez Lisée? Ouais, mais on les emmerde, le cartel, c'est des balais. Je sais pas, mais généralement quand il y a des bips, c'est pas bon signe. Meurs, pourriture, communiste. Oh yeah. Bah alors, faites-moi vos marionnettes maintenant, hein. Bande de blé. Qu'à faire, autant se remettre à fond niveau point de vie. J'aime être à fond niveau point de vie. Ah bah y avait des... Des munitions. La combination. Non mais, prends le truc, voilà. Je voulais prendre. Hein. Ok, par ici. L'équipement de base de la milice AK, fusil à impulsion. Qu'est-ce qu'il y a si je vais de ce côté? On va être full emoji, oui. Bah, en fait, c'est pas vraiment une règle, c'est juste que j'ai dû laisser la config de base de Nightbot où ça donne l'impression que c'est super strict, mais en fait, c'est juste que j'ai pas touché à la règle. Là, pour une fois, c'est pas moi qui suis strict.
pour une fois. Wow! Voilà une espèce de méga four. Vous vous souvenez de la méga fourmilion? Elle se souvient de nous, je crois. Hein. Attends, déjà. Non! Tu n'utilises pas de coup de boule, merci. Attends, on va rigoler. C'est pas l'effet que j'avais en tête, mais ça me va. Est-ce qu'il y a un terrier de fourmilion quelque part qu'on pourrait bloquer? Oui, juste. Il y en a deux. Wow! C'était tellement la classe! Un mot de babou sur l'énorme drame d'hier soir en Paris, ben. C'est moche, c'est horrible. C'est surtout que c'est dommage parce que c'est. C'est quand même un symbole de la France qui. Qui était partiellement détruit. C'est quand même des centaines d'années d'héritage culturel, du patrimoine qui sont. Qui là se sont volatilisés en l'espace de. Quelques heures. C'est moche quoi. Oui voilà, c'est à peu près ça, Drifty. Généralement j'essaie de rester cool. Mais pour les trucs qui me tiennent à cœur ou qui me gonflent un peu, là j'ose le ton. Bon bah une mort de plus, on doit être à 8. Bon, je vais tenter un. Je vais mettre là, je vais tenter un énorme YOLO. J'arrive à bloquer à la terrier 1 bloqué. Voilà, les terriers sont bloqués. Vite, on part dans une position safe. Merci pour les bits d'Arpi. Ah, tu fous là toi. C'est cool Raoul, c'est cool Babou, c'est ça. Ah punaise de chiottes. Eh bah fais-toi plaisir Drifty, à tout de suite. Allez. YOLO. Aïe merde, je suis repéré. Ok, intérieur bloqué. Ok, deux terriers bloqués, on est bon. Puis après les terriers bloqués, tu fais les terriers yaki. Et tu manges japonais. Ah ouais, le terrier yaki. Oui, c'est bon le terrier yaki. Eh. Ok, il va déjà un petit peu plus clair. Ok. Il va me falloir d'autres bidons. Non, j'ai dit le bidon, pas le pneu. Ok. Oh nice, on l'a eu. Trop bien. Je sauvegarde. Je sauvegarde à peu près 17 fois en 3 secondes. J'ai eu peur pendant 3 secondes, j'ai eu peur qu'on ait perdu. On a eu un petit problème de connexion, mais ça va. On n'a pas de problème technique aujourd'hui, c'est cool. Genre, tu veux pas mourir, toi? Eh hey les gars, je pense qu'on rend patate sautée. Et les commentaires. Ouais, il y a une notif pour les commentaires YouTube. Je reçois un mail et une notif par l'appli YouTube. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir par rapport à la connexion. Dans la série, Babou aurait mieux fait de fermer sa gueule, épisode 29847, peu de choses près. Non, non, allez, on se fait pas de mal. Allez, viens Alix, on se casse. C'est normal que la cape. Oh Darky, c'est comme pour la connexion. Faut pas se porter malheur. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que la cam était vachement stable aujourd'hui. Ça, c'est cool. Croire qu'elle était dans un bon jeu.
tout faire péter. Ça, on est tranquille. Toujours cette mine, hein. On va lui donner un nom, je vais l'appeler la mine. Bah ouais. Et la mine. Tout à fait, cher canard. Vous êtes beaucoup sollicité pour ramper dans les conduites aujourd'hui, Gordon. Je sais pas comment je dois le prendre, Alix. Tu lis tous les commentaires? Oui. Oui. Ça, je mets un point d'honneur à lire les commentaires, comme ça, bah. Déjà, s'il y a des questions, je peux y répondre ou apporter des précisions. Et puis, bien souvent, alors ça, c'était une idée de merde. Alors non, bien souvent, ce n'est pas une idée de merde. Cet enchaînement, bordel. bordel. Ça, c'était beau. Ça, c'était très très beau. Et les bits habituels, merci Darky. Du coup, j'en étais où, moi, avec ces conneries? Ah oui, ah oui, si vous voulez faire des clips, allez-y, hein, allez-y. Ah bah, c'est pas par là qu'il faut. Oh, tais-toi, toi. Tais-toi, toi. Ok, je vais tenter un truc. Yeah! YOLO! Et encore merci pour ces vides, Darky! Voilà! On a résolu le problème. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut qu'on descende, probablement. Excusez-moi, monsieur! La gare routière, c'est où? Ah bon, d'accord. Oh oh oh! Attends, attends. Voilà. Excellent. J'ai même envie de dire, c'est pas mal là. La 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 la. J'allais dire, on doit pouvoir rentrer. Ah non, hein. Le mec, il est tellement content qu'il saute pour me faire un bisou. Ah bah, va mourir, pourriture communiste, hein. T'es encore là? Il est encore là, ce petit con. Voilà. On est pas mal. Bon, c'est cool, ça me remet à fond. Subtilité sur 20. Attends, par contre, j'ai besoin de la table, en fait. I need the table. Babou est dans les égouts, deviendra-t-il une tortue ninja? Bah écoute, t'en fais ce que tu veux, mais je suis dans le bon chemin, j'ai bouffé de la pizza à midi. Hein. Par contre, je me permets de poser cette question. A ton avis, quelle tortue ninja je pourrais être? C'est-à-dire, t'as qu'une chance sur 4. Hein. Pas sûr que ce soit... Pas sûr que ce soit ce qu'il fallait. Heureusement qu'on retombe dans l'eau quand même, hein. Bon, le Bernac, ça te dirait pas de... Voilà, merci. Oh, des points de vie. Pas spécialement besoin, mais soit. D'ailleurs, tu rentres dans le conduit quand tu veux, mon cher Gordon. Et puis, si, c'est un Gordon qu'à Malobit, c'est un Gordon ombilical. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle est nulle, cette vanne, bordel. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Tiens, le Bernac, voilà, tiens, bouffe ça. Bouffe ça, ça te fera les pieds. Ok. Voilà, tu rentres quand tu veux. Une pizza. Alors, c'était une pizza avec divers légumes et du jambon. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Poivron, olive. Je sais plus trop exactement ce qu'il y avait dessus. Mais c'était très bon. Il me prend vraiment pour un débutant. Hein. Le jeu me prend vraiment pour un débutant. Ah! Donne la mine. Donne la mine.
Ah mais j'allais dire, c'est encore un truc à remettre en marche. Allez hop, viens par là madame. Voilà. Je croyais que vous m'aviez oublié. Ouais, dis donc. La cinquième tortue peut être crie, je rigole bien sûr, tortue pizza. Tortue pizza, tortue pizza, tortue pizza, tortue pizza. Eh, hey, tu fais le détournement du générique en changeant ninja par pizza, c'est même encore mieux. Ah. La subtilité, c'est une option. Non, on va péter ailleurs. Une pizza aux légumes, bah. Bah en fait, le truc étant... Mon cher Brian, le raisonnement pour ça, c'est que j'essaie de reprendre mon régime sérieusement ces derniers temps. Et j'avais quand même envie d'une pizza, du coup j'ai regardé sur le site, bon j'ai pris chez Domino's, non ce n'est pas un placement de produit. Et oh, ça va péter. Et en fait, j'ai regardé les infos nutritionnelles, c'était une des pizzas les moins caloriques qu'ils proposaient. Donc du coup je me suis dit, ce sera mon repas. Ok, alors probablement des choses avec des câbles à débrancher, parce que je vois un câble là. Vas-y, débranche. Oh my! Je dis oui. Je dis tellement oui. Par contre... Quel est le fuck? Wait, what? Attends. Continue. Là, je pose ça. Ah bah, je pouvais sortir en fait. Non, on va rigoler. Keep réalisé. Bah, c'est ok, super. Je regarderai ça. Je regarderai ça à la fin du live. Oh la putain, 15 points de vie. Non. Par contre, l'histoire de la création des tortues pizza. LOL! Après, j'ai envie de dire avec les YouTube poupes, hein, tout est possible. Il y a quand même de sacrément bonnes dans les YouTube, mine de rien. Oh, hé! Bonjour! La sortie de la ville, c'est par où, s'il vous plaît? Ah non, toi, t'es un copain. Et la voilà, boule magique. Ouais, boule magique. Et du coup, merci pour ces bits, mon cher Darky. On va rigoler. Allez, recharge-moi ça. Bonjour, monsieur. Non mais viens, dude. Ça va péter! Voilà, moi je riposte aussi, moi aussi je peux faire des explosions! Voilà! C'est qui le patron maintenant? Ok, quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette espèce de gros tentacule là? Parce que c'est c'est particulier! Bonjour. Oh yeah! Il y a un clip sur le début de live, l'écran. What the fuck? Bon, ça, c'est peut-être les gens qui voulaient tester le clip, on sait jamais. Hein. Ouais, c'est toujours le coin là où je sais jamais ce qu'il faut faire. Ah, bonjour monsieur. Salut. Je peux passer, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Tout le monde doit quitter la ville. Le cartel ne facilite pas les choses. On essaie de rassembler assez de monde pour forcer le passage jusqu'à la gare. Ah bah voilà! Les gens se regroupent dans un abri tout près. Partie rigolote va commencer. Vous pouvez nous emmener? Tu parles, on y va. Par ici. Eh bah je vous suis, cher monsieur. Ok. Attends.
pas obligé de me coller dès que je fais un truc, Alix, hein. T'es gentil, mais tout de même. Hey, c'est moi, ouvrez cette porte. Mais qui a encore fait ça avec un lance. Genre, vas-y, tu vas passer. Entrez. Nope. Je suis coupable, j'ai testé ce que cela ferait cri. Ah. Eh ben merci pour ces bits, mon cher Dark Lord. Le fait. Pour ceux qui sont tentés, c'est un excellent moment pour procréer. Ce qui What? Plus clair que vous devriez songer sérieusement. Genre le doc, il est en train de dire à la télé, allez vas-y, faites des bébés. Sérieux. Les gars. Dude, Freeman, Kleiner, Dude. Puisque c'est la non. Première fois que nous avons l'occasion de parler ouvertement de l'esprit de cartel, il y a J'allais dire, je crois qu'on peut pas aller par là. Mais j'ai rien fait. Oh, bonjour. On se casse. Ça parle de bit 3 à la TV. De bit 3, pas de bit 1 ou de bit 2, on est d'accord. Bon, en tout cas, merci pour ces bits. J'allais dire, ça va s'écrouler, ça. Beurre, pourriture, oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Excellent. Bon, ah, j'allais dire, on va sortir par là. Oui, c'est ça. Je te pose toujours, Kleiner, tu m'intéresses. Ah, bonjour. Route touristique. Mais pas ça va, hein. Du coup, il y a quelque chose d'intéressant par ici, ou c'est juste un cul-de-sac en fait. Non, couché. DB comme si on était des vaches de Minecraft et on voit un bassot de blé et on voit un pouf. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va dire ça comme ça, Drifty. Ok, ça m'a l'air bon. Bonjour. Gordon ? Oh, Barney ! C'est incroyable ! Mais comment êtes-vous sorti de la citadelle ? Ah bah ça, t'aimerais mal savoir, hein. Pas tout à fait sûr. Mais les vortes y sont pour quelque chose. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Where are you? On vous a encore suivi? Ah bah, pas qu'un peu, hein. Dans la citadelle. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça doit être important pour qu'ils nous pourchassent jusqu'ici. Eh bien, ça m'étonne. Il faut avancer maintenant. Vous connaissez les trains d'évacuation, pas vrai? Ouais. Eh bien, on avait prévu de faire une percée jusqu'à la gare. J'ai la nette impression qu'on va devoir se tailler un passage au milieu de tous ces abrutis de métro flics qui tiennent absolument à défendre Cité 17. Gordon et moi pouvons prendre deux routes différentes pour détourner l'attention du cartel. Ça vous laisse le temps de remplir les trains avant qu'on arrive. Vraiment? Si vous le dites. Ah bah ouais, hein. Venez, regardez là-bas. Le moyen le plus sûr pour aller à la gare est de passer par ce pont, puis par les toits. Vous deux allez par là. Je vais parcourir les rues pour voir. Tu peux avoir le pied de biche, s'il te plaît? On vous retrouve là-bas. Donne le pied de biche. Bon, donne le pied de biche, c'est à moi. Hey Gordon, avant de partir. J'en avais marre de traîner ça partout. Écoutez, j'en ai pas beaucoup, alors essayez de ne pas le perdre, ok? Ouais, pied de biche, les pimpons! Quel vénard, hein? Ouais, dis donc. C'est pas parce que Kleiner a dit qu'il fallait procréer qu'il faut que je le fasse avec n'importe qui. De doute. Ok. Couché. 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 Saloperie. Joli tir. C'est genre elle est limite en train de dire GG à la bestiole, quoi. Saloperie. Bon, 9 morts, je suppose. Peut-être même 10. Traversez, Gordon. Elle vous attend. Oui. Quel vénard, hein. Mais tais-toi, toi. Eh ben,
je vais en bas, voilà. Ok, je vais pas en bas. Un petit peu aussi. Boum. Eh les gars, je transforme en patate sautée. Allez-y, passez. Attends que ça. Arrête de dire coucher Spade. Bah non, mais quand il est mort, il est couché. Voilà. Pourquoi pied de biche et pas pied de bouc, bon demi centré. 10 morts au compteur, baboulinette, 11 prises et action. Attends. J'adore le bruit que fait l'arbalète. On tire dessus. On tire avec. Allez. Boum. Même pas boum, dis donc. Même pas t'as fait boum, monsieur. Merci.